célébrer avec moi. Tu vas dire à papa Jésus. Jésus soit loué, 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 Jésus soit loué,
Thank you.
Thank you.
Oh,
faible. Ton amène est faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es venu rencontrer qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. Alléluia. Amen. Tu es venu rencontrer qui? Tu es venu rencontrer qui? Alléluia. Amen. Parce que si tu sais qui tu es venu rencontrer ce soir. Si tu sais celui que tu es venu rencontrer ce soir. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand je vais te dire Alléluia. Quand je vais te dire Alléluia. Quand je vais te dire acclame le Seigneur. Quand je vais te dire acclame Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu ne vas pas t'asseoir. Tu ne vas pas t'asseoir. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu es venu rencontrer qui ce soir? Tu es venu rencontrer qui ce soir? Point d'interrogation. Jésus. Alléluia. Amen. Je pose la question à la personne qui peut répondre. Tu es venu rencontrer qui ce soir? Tu es venu rencontrer qui ce soir? Jésus. J'attends pas bien. Jésus. Tu es venu rencontrer qui ce soir? Tu es venu rencontrer qui ce soir? Mais tu dis son nom et puis tu es assis. Tu dis son nom et puis tu es assis. Tu dis son nom et puis tu es assis. Tu dis son nom et puis tu es assis. Tu es venu rencontrer qui ce soir? Tu es venu rencontrer qui ce soir? Il s'appelle comment? 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 C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Tu vas dire Jésus. Jésus. Jésus, 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 Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. La Bible nous dit. La Bible nous dit. En son nom. En son nom. Bougez-nous. Bougez-nous. Bougez-nous fléchis. En son nom. En son nom. Pour que l'on confesse. Pour que l'on confesse. Pendant que tu dis son nom. Pendant que tu dis son nom. Lui qui te suivait. Oui. La maladie qui te suivait. Le monde qui te fatiguait. Pendant que tu prononces son nom. Oui. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je passe. Je passe. Je passe. Viens avec moi. Viens avec moi. Jésus. Jésus, 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 Alléluia, Amen. Tu peux acclamer Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On acclame ce Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Le ressuscité. Le vivant. Écoute quelque chose. Écoute quelque chose. La Bible nous dit. La Bible nous dit. Les murs de Jéricho sont tombés. C'est tombé. Alléluia. Amen. La Bible m'a pas parlé de calage. La Bible m'a pas parlé de vêtue. Non. La Bible m'a pas parlé de quelque chose d'autre. Non. La Bible me dit. Oui. Que lorsqu'ils ont poussé des cris de joie, ce mur-là a commencé à tomber. Alléluia. Ils ont commencé à crier. Alléluia. Lorsqu'ils ont commencé à crier. Amen. Ce mur a commencé à tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus sait que tu es là ce soir? Tu vas lui dire que tu es là par des cris de joie. Hey, ne regarde pas le nombre. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Alléluia. Prépare-toi. Ne regarde pas le nom. Prépare-toi. Tu vas dire à Jésus ce soir. Prépare-toi. Que tu es là. Tu vas dire à Jésus ce soir. À ta foi. Tu vas lui dire que tu es loin. Tu vas pousser des cris de joie. La cri de joie. Regarde. Regarde. Vous connaissez que tes cris montent jusqu'au ciel. Est-ce que tu es prêt? Ça touche le trône de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ma soeur, tu es prêt? Ma soeur, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Amen. Porte avec moi. Essaye un peu la gorge. Faut la gorge. Commencez à pousser.
Alléluia. Amen. Nous allons compter jusqu'à 3. 3. 3. 1. Pas 3. Hey. 1. Le troisième jour. On te dit un peu. C'est un signe prophétique. Le troisième jour. Le troisième. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le premier jour. Le premier jour. Il était dans le tombeau. Le deuxième. Oui. Dans le tombeau. Le troisième. Le troisième jour. Le troisième jour. Le chiffre 3. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La Bible dit. Le tombeau. Oui. Le tombeau. Le tombeau. Voilà. Alléluia. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pousser des cris? Est-ce qu'un enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut montrer à Dieu qu'il est là ce soir? Est-ce qu'un enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire que Dieu est voici? Hey. Est-ce que quelqu'un veut dire Dieu voici ma situation? Hey. Voici pourquoi je suis là. Hey. Voici le changement que je veux. Hey. Et qu'il le joie. Hey. Mais tu vas pousser. Tu vas t'écrire. Tu vas pousser. Oui. Regarde. Regarde. Quelque chose se passe ce soir. Se passe ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois? Un. Prépare-toi. 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 Regarde, toute la place est pour toi. Regarde. Tu peux courir. Tu peux courir. Tu peux t'accoucher. Tu peux sauter. Tu peux traîner. Te mettre à genoux. Tu peux sauter. Bien aimé. Sur cette place là. C'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Prépare-toi. Regarde quelque chose. Quand les gens jouent au football, et puis on marque un but, qu'est-ce qui se passe? Tu vois quoi? Mais bien aimé, ici on dépend du roi des rois. Je sais pas si tu vois des rois. On acclamait celui Jésus. Qui te donne le sou de lui. Jésus. Celui qui tient ta vie. Jésus. On te parle de lui. Jésus. Toi écoute bien. Hey. Nous sommes à deux. Nous sommes à deux. Nous sommes à deux. Nous sommes à deux de lui. Deux de lui. Je te prête. Deux de lui. Deux de lui. Amen. Merci d'avoir acclamé tout à l'heure les chants. Hey! Parce qu'elles ont bien chanté. C'est ça. Sinon ça c'est pas pour Jésus. Là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Je te parle de celui qui est. Je te parle de celui qui est ressuscité. Celui qui est venu pour mourir à la croix pour toi. Ah. Est-ce que tu sais de qui je parle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Je ne te parle pas d'un homme. Regarde. Alléluia. Amen. Je ne te parle pas d'un homme. Écoute bien. Je te parle de celui qui a permis que tu sois là. Hey. Hey. Regarde à l'hôpital, des gens meurent. Il s'agit de qui? Regarde à l'hôpital, des gens meurent. Il s'agit de qui? Des gens trempent. Il s'agit de qui? Des gens agonisent. Il s'agit de qui? Et toi, le Seigneur Jésus. Il s'agit de qui? Il t'a fait la grâce. Il s'agit de qui? Il est là ce soir. Il s'agit de qui? Jésus. 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 On va acclamer. Oui. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Dis-toi que tu
tu n'as encore rien fait. Hey. Encore. Alléluia. Amen. Bien-aimé, s'il y avait même le maire de la ville, oui. On dit le maire arrive ici, te rend visite. Uh-huh. Pendant que tu assistes, on dit le maire arrive. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois te lever. Tu vas t'asseoir. Non. Tu vas t'asseoir. Non. Mais bien-aimé, oui. On te parle aujourd'hui. Uh-huh. On te parle ce soir uh-huh. de celui oui. qui a créé le maire, uh-huh. qui donne le sou de ton maire. Uh-huh. Bien-aimé, oui. on te parle du grand des grands. Mm. Oh. Du supérieur des supérieurs. Jésus. Du roi des rois. Jésus. Celui-là même qui assiste son corps de levé. Homme de Dieu. Uh-huh. Allons-y. Regarde. Nous tous on a fait le monde ici. Uh-huh. Quand on dit 31 janvier. Ah. Et que 1er janvier arrive. Ah. Hey. 31 décembre, quand 1er arrive. Qu'est-ce qui vous passe? Ma soeur. Oui. Mon frère. Uh-huh. Tu sais quel cri tu pousses. Wow. Alléluia. Amen. Mais le cri que tu pousses, c'est le même problème. De qui je te parle ce soir, uh-huh. c'est lui qui te donne la force lorsque tu pousses ces cris. Uh-huh. Lui qui permet que tu pousses ces cris. Uh-huh. Pendant que tu poussais ces cris, il uh-huh. y a des personnes qui étaient mortes, il uh-huh. y a des personnes qui mouraient, il uh-huh. y a des personnes qui étaient malades. Uh-huh. Mais rappelle-toi un peu, uh-huh. quand tu poussais ces cris, oui. tu avais la vie, uh-huh. tu avais la santé, uh-huh. tu avais la force. Uh-huh. Et c'est ce Dieu-là, ce Dieu-là. Tu vas pousser les cris pour lui. Les cris de joie dans les glaces. Clamer ce soir. Oh. Hey. Bien-aimé, prépare-toi. On va récompter encore. Mm. Tu vas te tenir debout. On ne s'assoit pas. Tiens-toi debout pour Jésus. Tiens-toi debout pour Jésus. Le président, lorsqu'il arrive, uh-huh. on ne s'assoit pas. Le président, il peut venir, on va s'arrêter jusqu'à ce qu'il parte. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut faire tout dans ta vie. Mm. C'est pourquoi j'aimerais te dire, quel que soit le mal que tu traînes, et que tu penses que ce mal t'affaiblit, fais un effort de te lever. Fais un effort pour te lever. La guérison s'attache à toi. Et tu vas voir ce qu'il y a. Un instant, ce va se passer dans ta vie. La guérison va se passer dans ta vie. La guérison va agir dans ta vie. Ah, la puissance de Jésus. Jésus. On récolte encore. I'm gonna go.
Parce qu'il sait que ta présence ici n'est pas en vain. Hein? Il sait qu'il y a quelque chose qui veut te donner. Quelque chose va se passer. Il y a quelque chose qui veut te communiquer. Il y a quelque chose qui te pleurait en temps. Alléluia. Amen. Et il me dit de te dire que tout ce que tu es venu prendre en ce lieu, tout ce qu'il a promis que tu prennes en ce lieu, il t'a déjà accordé. Amen. Et toi, tu avais besoin de la délivrance. Il t'a déjà accordé. Toi, des guérisons. Accordé. Toi, tu avais besoin de changer de vie. Il t'a déjà accordé cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prie avec lui. Alléluia. Amen. Parce que tu vas sceller tout ce qu'il t'a donné en ce soir. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce soir. En ce soir. Je scelle. Je scelle. La délivrance. La délivrance. Je scelle. Je scelle. La guérison. La guérison. Je scelle. Mon changement. Mon changement. Seigneur. 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 De rien. De rien. Viens me détourner. Viens me détourner. De ta face. De ta face. Père. 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 Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Parle-moi. Parle-moi. Change-moi. Change-moi. Transforme-moi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le roi des rois. Acclame-le. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Il est dit dans le livre de Colossiens. Oui. Colossiens 3, verset 15. Mm-hmm. Il y a que la paix de Christ mm-hmm. à laquelle vous avez été appelés. Oui. Pour former un seul corps. Mm-hmm. Règne dans vos cœurs. Amen. Et soyez reconnaissants. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien à donner à Jésus. Alléluia. Amen. On n'a rien apporté à Jésus. Amen. La Bible nous dit que oui. il avait un serviteur qui s'appelait Salomon. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsqu'il faisait des grâces, des actions de grâce au Seigneur, il tuait 1000 bœufs. Alléluia. Amen. Cette personne avait quelque chose. Mais toi, tu n'as rien. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu as crié pour lui tout à l'heure. C'est pour ça que tu as dansé tout à l'heure. Alléluia. Amen. C'est ce que tu peux donner à Dieu qui est là. Alléluia. Amen. Sois heureux dans la présence. Alléluia. Amen. Il faudrait que la grâce, la joie te déborde ce soir. Amen. Parce qu'il n'a pas permis que tu sois ici inutilement. Alléluia. Amen. Certainement, il a quelque chose à te dire. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Tu vas dire, mais Dieu même va me parler comme moi-même. Alléluia. Amen. Sa parole. Oui. Elle a quelque chose à te dire. Alléluia. Pour que ta vie change. Alléluia. Pour que quelque chose change en toi. Alléluia. Que tu puisses connaître la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui va acheter d'habitude. Quelque chose qui est 500. Chaque jour, il sera payé à 1000 francs. Alléluia. Amen. Et un coup, tu vois que tous ces années-là qu'il achetait à 1000 francs, c'était un cadeau. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, la chance coûtait 500 francs. C'est ce que Dieu veut dire ce soir. Alléluia. Amen. Quelque part, la vérité était cachée. Mm-hmm. Quelque part, il y a des choses que tu peux entendre. Mm-hmm. Mais tu n'as pas entendu ça. Oui. Il a permis que tu sois là ce soir. Pour entendre sa parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame encore Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans l'amour du Seigneur Jésus. Tu vas t'asseoir dans l'amour de ton papa. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Nous allons prendre la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il est dit dans le livre de Deux Chroniques. Deux Chroniques 30, verset 9. Il dit, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront la miséricorde après ceux qui ont amené captifs. Et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici le Seigneur parle du péché. Alléluia. Amen. Et le péché, ça ne dépend, ce n'est pas seulement, ça ne s'arrête pas seulement sur toi seul. Alléluia. Amen. Le péché là. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise ici que si moi je pêche, c'est moi seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nos pères ont péché. Et c'est nous qui payons la peine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si toi tu pêches et que tu ne t'es pas répandu, tes enfants aussi, ils seront condamnés par le péché que tu as fait.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, tout à l'heure, tu vas entendre sa parole. Tout à l'heure, tu vas entendre le Seigneur te parler. Alléluia. Amen. La Bible va le dire que qui peut monter à la montagne de l'Éternel. Mm-hmm. Si c'est pas celui-là qui a la main pure. Alléluia. Amen. Avant d'aller vers ton Père, avant d'aller vers Jésus, il faudrait que toi-même tu reconnais tout ce que tu as fait. Il faudrait que toi-même tu lui demandes pardon. Il faudrait que tu lui dises que tout ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Il faudrait que tu lui dises que tout ce que tu as fait, tu reconnais que cela n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. 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 Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler à ton Dieu. Quelqu'un va me dire, mais moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas tué. Alléluia. Bien-aimé, les injures, c'est un péché. L'alcool, c'est un péché. La cigarette, c'est un péché. Le mensonge, c'est un péché. Les critiques, c'est un péché. Alléluia. Amen. Ici, je vais citer, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Amen. Tout ce que tu sais que tu as fait qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, il suffit d'ouvrir ta bouche et dire, Dieu, voici ce que j'ai fait. Pardonne-moi, c'est un de moi. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu lui dis d'un cœur sincère. Parce qu'il nous dit dans sa parole, dans le livre de Joël, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de parler aussi, ou bien de faire semblant. Mais il faudrait que tout ce que tu dis vienne de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas te mettre. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Amen. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas te mettre en genou. Tu vas te mettre en genou. Parce que ce n'est pas devant un homme, tu vas. Alléluia. Amen. Lorsque nous arrivons devant le roi, on se prosterne. On se prosterne. Mais là, il s'agit de Jésus. Mets-toi en genou et parle au Seigneur Jésus. Élève la voix et lui dit tout ce que tu as fait ne glorifie pas son nom. Commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Regarde dans ton autre vision, ton parcours, tout ce que tu as eu à faire, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur et commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Reconnais toutes tes voies mauvaises que tu as prises afin de plus te pardonner et te sauver et te guérir. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parle à ton Créateur. Au Seigneur Jésus. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas sourd pour nous attendre et sa main n'est pas courte pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes, ce sont nos mauvaises voies qui empêchent sa grâce, sa miséricorde de se manifester dans notre vie. Par le Seigneur Jésus. Parle à la tente de Rosé, Jésus. Ouvre ton cœur et demande pardon à lui. Ouvre ton cœur, sincèrement. Ouvre ton cœur. Tu sais ce que tu as fait, bien-aimé. Dis-lui tout. Il y a des choses que tu dis. Dis-lui tout. Pas Dieu. Dis-lui tout. Par lui, sincèrement. Dis-lui tout. Parle à ton Dieu. Ce sont des crimes. Mon frère, ton Dieu. Des mauvaises voies. Mon frère, ton Dieu. Que tu as prêté. Tout ce que tu as fait. Amen. Tout ce que tu as dit. Barrière. Parle au Seigneur. Ajoute-toi. Et ton Créateur. Bien-aimé, pas lui. Bien-aimé. Tu as insulté. Tu n'as pas respecté ta part. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu d'amour. Quelque part, tu ne respectes pas. Il est le miséricordieux. Quelque part, tu ne respectes pas ta maman. Parle. Ce soir. Parle. Je mets tout ça dans sa main. Parle. Il faut lui demander pardon. Parle. Quelque part. Parle. Il t'est caché. Parle. Fais certaines choses que tu as oublié. Et parle. Ouvre ton cœur.
compassion. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de compassion. Le miséricordieux. Ouvre ton cœur. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur. Avec ton frère, avec ton entourage, là où tu n'arrives pas à supporter ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, dans ton cœur, demande pardon, Seigneur. Par l'amour de l'homme dans ton cœur, demande pardon, Seigneur. Là où tu n'arrives pas, avec ta soeur, ton frère, ton mari, ton entourage. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu vas réclamer une arme. Tu vas utiliser une arme fatale. Tu vas utiliser une arme fatale pour déstabiliser le péché. Déstabiliser le péché. Alléluia. Amen. Et cette arme, c'est le sang de Jésus. Cette arme, c'est le sang de Jésus. La Bible nous dit que son sang a coulé. Que son sang a coulé. Et son sang est versé. Son sang est versé. Pour toi te donner la vie. Pour te donner la vie. Alléluia. Amen. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang, tu vas réclamer le sang de Jésus. Pour te laver. Pour te laver. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Et tu vas demander à ce que le sang de Jésus. Tu vas demander à Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas demander à ce que le sang de Jésus te lave. Son sang te lave. Bien aimé. Bien aimé. Et là, la voix commence à prier. Élève la voix. Et réclame le sang de Jésus. Réclame le sang. Réclame le sang de Jésus. Seigneur, de te laver. Le sang de la nouvelle alliance. Seigneur Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Ton sang. Le sang qui sauve. Seigneur Jésus. Le sang qui sauve. Le sang qui lave. Le sang qui sanctifie. Le sang qui purifie. Pour me laver. Réclame ce sang. Pour me purifier. Pour me laver. Pour me purifier. Soit purifié,
Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bien-aimé, prie. Prie avec autorité. Il faudrait que ce qui sort de ta bouche soit avec ton cœur. Alléluia. Amen. Il faudrait que ce qui sort de toi soit vivant. Parce que ce que tu fais est très important. Et l'ennemi va t'affaiblir pour ne pas que tu prennes ce moment au sérieux. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je réclame ton sang, je réclame ton sang, Père, je réclame ton sang, je réclame ton sang, pour me laver, pour me laver, je réclame ton sang, je réclame ton sang, pour me purifier, pour me purifier, Jésus, Jésus, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai fait des choses, que j'ai fait des choses qui vont contre ta parole, qui vont contre ta parole, Père, je ne savais pas, je ne savais pas, tout ce que tu as fait. Tout ce que j'ai fait était un péché. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole, tu as dit dans ta parole que sans le fusion du sang, il n'y a point de pardon. Il n'y a point de pardon. Père, tu dis dans le livre, tu as dit dans le livre d'Apocalypse, que tu l'as vécu, à cause de ton sang, Seigneur Jésus, que le péché, dans ma vie, meurt par ton sang, Père. Que ton sang, descend sur moi, Seigneur Jésus, je bois ton sang, bois le sang de Jésus, si je bois ton sang, je bois ton sang, bois le sang, De Jésus, bois le sang 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 de Jésus, dispose-toi, bois le sang de Jésus, De tout péché, par ton sang, que le vêtement, d'iniquité, le vêtement, De péché, Que le diable, m'avait fait porter,
par ton sang, que cela disparaît, que cela soit déchiré, que cela disparaît, que cela disparaît, que cela disparaît, que cela disparaît, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais-toi toujours arrêter. Alléluia. Amen. Nous allons passer à une autre phase de notre veillée. Alléluia. Amen. Et cette phase, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, remarque beaucoup que lorsque on veut passer à la parole de Dieu, l'ennemi siffle le sommeil de notre esprit. Il siffle la fatigue. Il siffle la distraction. Il siffle la lourdeur. Il siffle tout ce qui vient de lui pour ne pas que toi tu entends la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui sont vivantes. Il y a des personnes qui sont éveillées. Mais quand il s'agit de la parole, il a froid. Quand il s'agit de la parole, il a sommeil. Quand il s'agit de la parole, il est distrait, son cœur n'est plus ici. Il pense à son lit. Il pense à la nourriture qu'il a gardée à la maison. Il pense à ce qu'il va faire demain. Il pense à son rendez-vous. Il pense à son travail. Il pense à son programme. Et toutes ces choses, ce sont les œuvres du diable. Ce sont les œuvres du diable. Pour ne pas que toi tu entends sa parole. Mm-hmm. Parce qu'il dit dans sa parole, mm-hmm, que sa parole est une lampe à notre pied. Mm-hmm. Et cette parole vient pour éclairer tes chantiers. Alléluia. Cette parole vient éclairer ton chemin. Alléluia. Cette parole vient éclairer ta voie. Jésus. Il dit là, le chemin, uh-huh, la vie et la vérité. Amen. Le chemin qui est devant toi, uh-huh, c'est cette parole qui viendra éclairer ce Alléluia. Chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Uh-huh. Alléluia. Amen. Pour que tout ce que l'ennemi a promis sur ta vie échoue. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prie avec tout ton cœur. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce soir. En ce soir. Je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. Pour entendre ta parole. Pour entendre ta parole. Père. Père. Tu m'as appelé en ce lieu. Tu m'as appelé en ce lieu. Pour un changement. Pour un changement. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je m'en pardonne en tes mains. Je m'en pardonne en tes mains. Père. Père. Tu dis dans ta parole. Tu dis dans ta parole. Que le cœur des rois. Que le cœur des rois. Est comme un courant. Est comme un courant d'eau. Et tu l'écris là où tu veux. Crie là où tu veux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que mon cœur. Que mon cœur. Soit au devant de toi. Soit devant de toi. Que mon cœur. Que mon cœur. Soit disponible. Soit disponible. Pour entendre ta parole. Pour entendre ta parole. Que tout ce qui est sommeil. Que tout ce qui est sommeil. En moi. En moi. Tout ce qui est sommeil. Tout ce qui est sommeil. En moi. En moi. Que ça sorte de 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 moi. Que ça me libère. Que ça me libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce qui est fatigue. Tout ce qui est fatigue, distraction, distraction, nonchalance, nonchalance, paix, 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 tout ce qui est froid, tout ce qui est froid, paix, paix, que ça me libère, que ça me libère, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole, tu dis dans ta parole, que tu es un feu dévorant, que tu es un feu dévorant, paix, paix, que ton feu descend en ce lieu, descend ce lieu, descend en ce lieu, descend ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole. Tu dis dans ta parole que tout ce que mon Père céleste, tout ce que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné et jeté dans le feu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que tout ce que tu n'as pas planté, que tout ce que tu n'as pas planté en moi dans ma vie ce soir même pendant que je me tiens ici dans ta présence que ton sang déracine tout cela et jette cela dans les abîmes. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Pour la vie de son serviteur. Pour la vie de son serviteur. Le prophète. Prophète. Abraham. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Acclame Jésus.
quelqu'un peut disposer son cœur ce soir. Alléluia. Shalom peuple de Dieu. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Alléluia. Le Seigneur me donne une parole pour quelqu'un. Il dit depuis le sein de ta mère, il te connaissait. Il dit c'est ce soir même qui te montrera, qui t'a choisi. Il dit c'est ce soir qui va te saisir pour te dire que depuis le sein de ta mère, il t'a choisi. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie et que tu n'as pas cru. Que c'était la mère de Dieu qui t'avait enlevé dans ces choses-là. Ce soir, le Seigneur vient encore pour te dire que tu es son élu qui t'avait déjà prédestiné depuis la création du monde. Ce que tu devras savoir, frère, je ne sais pas où, de là où tu es quitté et tu es arrivé ici. Je ne sais pas où tu es quitté et tu es arrivé ici. Mais le Seigneur me dit une seule chose pour toi. Il dit, il t'a choisi. Tu as l'appel sur ta vie. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie, c'est ce soir, il va te démontrer. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peut-être quelqu'un ne sait pas pourquoi il est là. Alléluia. Peut-être quelqu'un ne sait pas pourquoi il est venu en ce lieu ce soir. Mais je vais te dire. Celui qui te donne le souffle de vie. Celui qui permet que tu marches. Celui qui permet que tu puisses aller au travail. Celui qui permet que tu puisses te dormir et te réveiller. C'est à cause de lui que tu es là. Alléluia. Tu n'es pas là pour moi. Tu n'es pas là pour les hommes de Dieu. Tu n'es pas là pour les servants de Dieu. Mais tu es là pour l'Éternel des armées. Si tu es là pour l'Éternel des armées, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là pour le roi, acclame le Seigneur. Si tu es là pour le roi, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'il donne cette parole. Homme de Dieu, si tu as le passage. C'est pour cela que le Seigneur va donner cette parole à quelqu'un. Oui, homme de Dieu. En lisant la parole, oui, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Le verset 1 jusqu'au verset 8. Que les chants se préparent. J'ai demandé quelque chose aux chants. C'est au nom de Jésus-Christ que je lis. Oui. Lorsque le sabbat fut passé. Lorsque le sabbat fut passé. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie. Marie. Mère de Jacques. Mère de Jacques. Et Salomé. Et Salomé. Achetait des aromates. Achetait des aromates. Afin d'aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer qui Jésus? Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Elle se rendit au sépulcre. La Bible déclare que le premier jour de la semaine, lorsque Jésus était mort. Ces femmes qui étaient Marie de Magdala se rendues au sépulcre. Ils ont fait des aromates qui étaient des composants de parfum qui partaient embaumer le corps de Jésus. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Le grand matin. Oui, le grand matin. Comme le soleil venait de se lever. Comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles. Elle disait entre elles. Qui nous roulera la pierre? Qui va rouler cette pierre? Loin de l'entrée du sépulcre. Loin de l'entrée du cimetière. Et levant les yeux. Elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été déroulée. Je dis à quelqu'un que ce soir,
l'ange qui est descendu ce jour-là, qui a roulé la pierre devant le supplice de Jésus. Quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit le démon qui est dans ta vie, le Seigneur Jésus va descendre l'ange qui a roulé cette pierre. Et l'ange va descendre dans ta vie et tu vas rouler tous ces problèmes qui te tracassent, qui permet que tu n'arrives pas à avancer. Parce que le Seigneur est vivant. Ton Dieu est vivant. Écoute cette parole. Oui, homme de Dieu. Elle entra dans le sépulcre. Elle rentra dans le sépulcre. Vit un jeune homme assis à droite. Alléluia. Vêtu d'une robe blanche. Vêtu d'une robe blanche. Et elle fut épouvantée. Elle fut épouvantée. Il a dit, ne vous épouvantez pas. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Quelqu'un sera consolé ce soir. Qui a été crucifié. Quelqu'un sera consolé ce soir. Malgré tes nombreux problèmes, malgré tout ce que tu traverses, malgré les oppressions des démons dans ta vie, le Seigneur va te descendre ce soir et il va te dire, ma fille, je suis avec toi. Il va te dire, mon fils, je suis avec toi. C'est pour toi que je suis mort à la croix. C'est pour toi que je suis ressuscité. Et qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire encore? Homme de Dieu. Il est ressuscité. C'est pour cela que le Seigneur va descendre l'onction de la résurrection dans ta vie. L'onction de la résurrection va descendre dans ta vie. Je te dis la vérité. C'est pour cela que tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. De la même manière que le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. C'est de la même manière que tu ne vas pas rester là où le démon t'a mis. C'est de la même manière que tu ne vas pas rester pendant toutes ces années où tu étais. Le Seigneur Jésus-Christ va te faire sortir. Est-ce que tu entends cette parole? Est-ce que tu entends cette parole? Dis avec moi, résurrection. 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 De la même manière que le tombeau du Seigneur Jésus était ouvert. Et la Bible déclare que le Seigneur est sorti du tombeau. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est sorti du tombeau. L'onction de la résurrection va descendre au milieu de nous. Et tout ce que tu traverses, la puissance de Dieu va descendre à l'instant T. Pendant que les chants vont élever la voix vers le trône de Dieu, tu lèves ta main et tu commences à balayer ta main. Tu balayes ta main comme ça. Allez, balance ta main. Les chants vont prendre la parole. Et ils vont. Elles vont nous conduire. Regarde. I am so go. Regarde. Demandez après où fait. On vous dira. Où fait ma. Est-ce que quelqu'un peut fermer ses yeux? L'onction du Seigneur est là. Je te dis la vérité. De la même manière que le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, l'onction de la résurrection va descendre sur toi. Je ne sais pas quel problème que tu traverses. Je ne sais pas quel problème que tu traverses. Je ne sais pas quelle dimension que le Seigneur vient t'abonner ce soir. Mais il y a une chose que le Seigneur m'a dit. Il dit que je suis pas resté dans le tombeau. Il dit de la même manière que je suis pas resté dans le tombeau. Mes enfants qui sont venus, qui ont obéi. Il dit ces enfants qui ont obéi à ma convocation. Il dit ces enfants qui ont obéi à ma convocation. Il dit je suis là avec eux. 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 Et l'onction de Dieu vient sur toi. L'onction de la résurrection vient sur quelqu'un. L'onction de la résurrection vient sur quelqu'un. Je te dis la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus est là ce soir. Le Seigneur Jésus est là ce soir. De la même manière, il n'est pas le seul à notre peuple. Et mais je te parle de la même manière. Tu vas sortir de là où il tombe. Tu vas sortir de là où il tombe. Parce que ton Dieu, c'est Jésus. Ton Dieu, c'est Jésus. Le tombeau du roi des rois est tout bas. Oh, Jésus. Le tombeau du tout-puissant est tout bas. Le tombeau de ton Dieu. C'est de la même manière. Est tout bas. Ta vie souffre maintenant. Le tombeau du roi des gloires. Ta vie souffre maintenant. Ta vie souffre maintenant. Le tombeau de Jésus. Soulève tes deux mains. Soulève tes deux mains. Le tombeau du roi des gloires. Jésus.
la manière qui n'est pas restée dans le tombeau. Je te dis la vérité. Allez-y, va. Le ciel est ouvert. Enchine. Le ciel est ouvert. 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 Son âme. Le ciel est ouvert. Seigneur, voici tes enfants. Éternel Dieu, fais descendre l'onction. 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 L'onction de la résurrection. Seigneur, celui qui est mort, ressuscite avec toi. Il change l'atmosphère. Il change l'atmosphère. Il change l'atmosphère.